Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit film interactif qui est aussi un jeu sur Roblox et qui est The Life of an Otaku, donc la vie d'un otaku. L'otaku, c'est le mec fan de manga. Alors, tout s'est passé en un instant. Tu ne m'as rien dit avant de passer à l'acte. On a un enterrement là. Je ne peux pas t'aider. Mais je ne peux pas arrêter de me dire que c'est ma faute. Peut-être que je n'aurais pas dû prendre cette décision. Que j'aurais pu t'aider à ne pas prendre cette décision, pardon. Si seulement. Je n'avais rien. Ok, apparemment il a fait quelque chose qui entraînait la mort d'un de ses proches. Pourquoi est-ce que ça doit être aussi dur? Donc il s'est passé quelque chose a priori, on ne sait pas quoi. Qui est mort, on ne le sait pas. Deux semaines plus tard. Cela fait une semaine que tu as décidé de... que j'ai décidé de bouger de la maison de mes parents. Ça n'a pas été facile pour ma mère de maintenir la maison sans mon père, ok. Je ne voulais pas l'ennuyer quand il est passé ailleurs, enfin dans l'au-delà. Ok, apparemment la maison n'est plus aussi joyeuse qu'avant, depuis que son père est parti. Ok, il croyait que sa nouvelle vie avait commencé. Alors là, c'est notre personnage, il dort a priori. Alors, ah, il ouvre les yeux, donc là on est à la première personne a priori. Il est en train d'ouvrir les yeux. Et donc on est chez nous, dans un petit appartement. Ok, alors apparemment l'alarme n'est pas éteinte. Donc ça c'est des objectifs a priori. Donc je peux interagir avec des objets. Alors on va regarder un peu avec quoi on peut interagir. Alors on a des vêtements, d'accord, ça doit être pour changer ses vêtements. Oh, attends, on a un truc là, c'est quoi ça? Ok. Ok. À mon avis, ça va être pour se changer. Donc là, on voit pas grand chose hein, dans le jeu. Hein. Par contre, au niveau de la luminosité, c'est un peu de la merde. C'est peut-être lié au fait qu'il pleuve et qu'il fasse pas très beau. Ok, online, Bloodman. Donc là, on a. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une armoire. On peut interagir. Je peux pas me baisser. Donc encore des vêtements, des trucs. Alors, est-ce que je peux utiliser mon ordinateur? Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a. Il y a des poufs. Ah, attendez, j'ai vu un truc. Alors, c'est le tiroir. Il y a une super, il y a une NES. Donc, je peux bouger dans mon appartement. Je regarde vite fait ce que je peux faire. D'accord. Donc là, on a le frigo. Si j'ai faim. Je peux laisser le frigo ouvert. Hein. On ne peut rien faire. Bon, il y a des petites interactions sympas hein, quand même. On peut même ouvrir le congèle. Ok, il y a des bonhommes. Je sais pas ce que c'est que ça. Une bouteille de lait. Putain, c'est vraiment sombre. Hein. Faudrait pouvoir allumer. Est-ce qu'on peut allumer? Il y a une lumière ou pas? Faut pas de lumière. Je peux rien faire du tout. A priori, pour le moment, je peux juste me déplacer comme ça. Attends, il y a quoi là? Ok, des petits jouets. Ok, un radiateur. Ça va être la température. Je peux rien faire avec.
peut pas. On continue à bouger dans la maison. Ah d'accord, donc là il y a de la pluie, je ne peux pas passer à travers. Attends, il y a apparemment... Ah d'accord. Donc il y a eu un pétage de plomb, à mon avis tout va s'allumer là. Alors, on va voir. Ça devrait faire l'affaire. Ok, alors apparemment faut aller dans la storage room, c'est là. Non. Ah, ça y est, on voit enfin. Apparemment, il y a un trou dans le sol. Ok, faut qu'on récupère du matériel pour le réparer tout ça. On voit enfin. C'était donc parce qu'il faisait noir tout simplement, si on voyait pas. Donc il y avait une panne d'électricité. T'es qui toi? Oh, il fait un peu peur lui. Ok. Ok, on peut bouger les tiroirs mais ça sert strictement à rien. Un truc. Bon, ça c'est la storage, il doit y avoir un truc et sinon c'est ici qu'on stocke. Il dit qu'il y aura des trucs pour réparer. Bon, il y a des colliers. Ah attends. Une flèche, une flèche, une flèche. Peut-être là-dedans, non? Je peux rien faire avec ça. Avec la Game Boy non plus. Bon, je commence à regarder un peu partout, il n'y a rien en fait. Bon, ça me cassait les bonbons. Hein. Ah si, on peut interagir. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Faut rien faire. Ce truc, ok, ça fait un peu temple japonais. Qu'est-ce que c'est là-haut? D'accord, ah, ok, c'est ces planches pour. Ok, ça va servir pour le sol. Ok, ok, apparemment il a tout pour réparer le sol. Attends. Le rythme est très lent, hein. Par contre, putain, la luminosité elle est pourrie, hein, vu qu'il pleut, mais bon. Voilà, on va réparer le sol. Ok, le sol est réparé. Ça lui a pris plus de temps qu'il pensait. Ok, il veut se remettre au lit, donc on retourne en direction de la chambre. On se met au lit, on dort. Donc, acte 2. Mon enfance. D'accord, donc là on a le droit à un flashback. Ok, quand j'étais enfant, tout était simple. Ok, il avait l'habitude d'aller au bord de la rivière quand il pleuvait. Ok. Donc sa mère venait le voir, en fait il faisait la sociale, il est au bord de la rivière avec sa boîte de crayon au bord d'un arbre. Donc elle lui lisait son livre favori.
Ces jours sont ceux qui chéraient le plus, donc son enfance, comme beaucoup d'otaku. Ok, donc là il se réveille, c'était apparemment un rêve. Ok, c'était un rêve sympa. Ok, il va arroser des plantes, je crois, donc on va devoir retourner dehors, chercher l'arrosoir dans le truc ici, je crois. Il y a un arrosoir, il me semble, ici. Voilà. Ok, donc on va servir du puits. Ok, donc là il ramène de l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette eau? Il va arroser les plantes, tout simplement. Bon, le rythme est assez lent, hein. C'est un jeu qui sert à détendre, je pense. Ok, c'est plus lourd que ce que j'en avais pensé. Ok, apparemment faut retourner dans sa chambre pour arroser les plantes. Allez, c'est parti. Direction la chambre. C'est quelle plante qui va arroser ce couillon? C'est celle-là? C'est des cactus en plus, elles n'ont pas besoin d'eau normalement, les cactus. Ok, apparemment, il va cuisiner des œufs. Attends. Il cherche une poêle? Il a parlé d'une poêle là, non, je suis pas con. Ça, c'est les légumes. Allez, là, la poêle, d'accord. Ok, c'est bon. On fait nos œufs au plat. Ok, acte 3. Notre dernier adieu. Alors. Si je n'avais pas bougé et voulu rompre les toits, ça ne t'aurait pas inquiété. Peut-être que tu serais encore là. Ah, mais sa mère, elle est morte aussi? Oh, un accident de voiture. Putain, mais. Le mec il perd son père et là sa mère elle meurt dans un accident de voiture. J'étais un garçon égoïste qui ne savait pas quoi faire, bloqué dans un chemin que je, voilà, time to move on. Ok, peut-être il serait temps que je change. Putain, mais il est méga triste ce jeu. Ok. Oh là, il y a le fantôme de sa mère quoi. Je sais maintenant que tu me réconfortes. Putain, j'ai presque chialé, c'est triste. Il perd d'abord son père, et là il perd sa mère d'un accident de la route. Son père il s'est suicidé ou je sais pas quoi. Ok, il a des bons souvenirs de sa mère quand il était petit. Putain, mais c'est triste. Je les chérirai jusqu'à la fin des temps. Bah de sa vie quoi. Jusqu'à ce que je te revoie. Oh putain, au revoir. Ok. C'était des vraiment bons œufs. Ok, donc il veut apparemment prendre un bain. Mon avis, la salle de bain elle est là, non? Elle est où sa salle de bain, ce couillon? Elle est par là, salle de bain?
C'est pas là qu'on prend le bain. Je suis en train de chercher où on prend le bain. Il y a des coins où on peut pas aller, non? Là, c'est la grille pour aller dans le jardin. Ah non, c'est quoi ce truc? Je peux rien faire ici, non? Ah, c'est peut-être ici le bain, non? Ok. Putain, mais c'est où le bain? Oh putain, ce food shed. Apparemment, il a oublié de rentrer du bois, je sais pas quoi. Pas où aller sa putain de baignoire là. Ça me saoule. Ok, donc on a ça. Est-ce que c'est par là? Je suppose qu'il a rêvé tout à l'heure. Non, c'est pas par là, on peut pas sauter. Le gameplay est pas top hein, par contre. Putain. C'est un peu chiant le gameplay, il est redondant et. Pas ça. Bon alors c'est ici Fouchette là pour le bois. Ah c'est là son bois. Crap, hop. Ah ok, donc apparemment je ne pouvais pas prendre mon bain tant que je n'avais pas utilisé du bois pour le faire chauffer. On est vraiment à l'antiquité là s'il faut faire chauffer son bain avec du bois. Ok, apparemment il a laissé le machin pour allumer le feu dans la maison. Alors. Ok, donc on a les allumettes. On va démarrer le truc. On voit que dalle là-dedans. Ah voilà, là on voit mieux là. Ok, mais c'est un genre d'hammam ça, c'est. D'accord. Ah ok, voilà, on voit un peu mieux là, ce qui va être plus agréable pour moi. Ok, donc là je prends le bain. C'est tout? Je m'attendais à un jeu un peu plus long. Bon, remarque que ça a duré 20 minutes. C'est déjà ça. Ok.